Vincent Chogoun, en prison pour possession de drogue dure? Alors qu'il n'avait pas donné signe de vie depuis plusieurs semaines. Vincent Chogoun vient de poster ce message sur Snapchat. Nous devrions en savoir plus dans les jours à venir. Regardez, Vincent Chogoun, en prison pour possession de drogue dure? On a de nouvelles infos. La semaine dernière, le candidat des Ch'tis, Vincent Chogoun, serait en prison pour possession de drogue dure. Une folle rumeur a agité les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Marc Blatta, ancien candidat de télé-réalité, a dévoilé de nouvelles infos sur son compte Snapchat. Il a déclaré, Chogoun, il est sorti il y a 2 jours. Pourquoi il se terre dans son silence? Car cette histoire, c'est strictement la vérité. Tout est parti de la photo que j'ai balancée où il avait dit qu'il faisait un gâteau avec son pote. Attention, nous vous rappelons qu'il est important de prendre ces informations avec des pincettes. Car les accusations sont très graves. Suite à ça, il s'est fait signaler, suivre, puis attraper. Vincent Chogoun, absent des réseaux sociaux, il serait en prison pour possession de drogue dure. Depuis plus d'un mois. Vincent Chogoun n'a pas posté de nouvelles publications ni de stories sur les réseaux sociaux. Et selon les informations exclusives d'un compte Instagram, l'ancien candidat des Ch'tis serait en prison pour possession de drogue dure. On vous explique tout juste ici. Pendant plusieurs semaines, Vincent a fait sensation sur nos écrans dans la dernière saison de Moundir et les apprentis aventuriers sur W9. Sur l'île déserte, l'ancien candidat des Ch'tis a fait équipe avec sa camarade de toujours, Tressia. Malheureusement, les deux apprentis aventuriers ont rapidement été éliminés. Comme vous le savez, ils n'ont pas immédiatement pris l'avion pour rentrer en France. Cette année, la plage de la dernière chance permettait aux éliminés de revenir dans l'aventure, en finale directement. Mais après plusieurs semaines sur cette plage isolée, les deux Ch'tis ont été bel et bien éliminés aux portes de la finale. Alors que ses fans de toujours étaient ravis de revoir Vincent à la télé, depuis plusieurs semaines ils sont inquiets. En effet, depuis le 6 juin, Vincent n'a rien posté sur les réseaux sociaux. Et selon le compte Instagram Shona.voleuse, le candidat de W9 serait en prison pour possession de drogue dure. Souvenez-vous, il y a peu de temps, un autre célèbre compte, info-tvr, avait posté une story plutôt étrange. Sur le cliché, on pouvait voir Vincent devant une tablette où il y avait des lignes blanches faisant penser à de la drogue dure. Si cette rumeur est très grave, cette récente publication pourrait bien confirmer les doutes des followers de Vincent. On ne manquera pas de vous tenir au courant dans les prochains jours. Qu'en pensez-vous ?